Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le guide e-sport de la semaine. Bien qu'il se soit passé de nombreuses années depuis sa sortie, GTA V continue de rassembler une énorme communauté de joueurs à travers le monde, notamment grâce à son mode multijoueur. Si vous débarquez tout juste à Los Santos pour y découvrir ses nombreux recoins, sachez qu'il existe quelques erreurs à ne pas commettre. Parcourir la ville à toute vitesse sans foi ni loi est un passe-temps légitime sur GTA. Il n'en reste pas moins délicat de le faire sans de sérieuses représailles sur le mode en ligne. En effet, si vous détruisez votre véhicule, vous serez obligé de payer les réparations, ce qui est loin d'être une mince affaire lorsque vous débutez avec très peu de ressources. D'ailleurs, plus vous attirez l'attention, plus votre jauge d'agressivité augmente, ce qui permet aux autres joueurs de vous tuer et ainsi de vous subtiliser une partie de votre argent. Ils gagneront dans le même temps un bonus sur leur réputation. Vous l'avez compris, un bon comportement est de mise. Mais comme l'argent est le nerf de la guerre, évitez également de le dépenser dans l'esthétique de votre personnage. Préférez investir dans des armes avec un fort taux de létalité, comme par exemple le pistolet mitrailleur. Les explosifs permettent de créer un véritable chaos, mais ne vous sauveront pas d'un assaut. C'est seulement à ce moment que vous pourrez songer aux véhicules et aux appartements, en commençant à construire votre empire. C'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine pour votre nouveau numéro de The Weekly Tips.